Ok, alors on va y aller. C'est bon ? Au maximum deux questions, hein, je vous en prie. D'accord. Deux questions. En tant que Noël Chani, initiateur de la loi de paix et de désert,
Alors, dans ces conditions-là, je pense que tous ceux qui me soutiennent, qui ne sont pas membres du parti politique, se sentiraient délaissés si je me mettais à la porte du candidat du parti politique. Par conséquent, je me présente en comme étant un candidat indépendant qui appelle tous les candidats, des pères et des mères, des pères et des mères. Et c'est parce qu'il est devenu congolais par cet émirat ou des apatrides de Congo. Nous sommes tous les mêmes devant la vie et nous devons tous participer à cette élection. Mais mettons au palais de la nation quelqu'un qui a des convictions profondes pour y affirmer la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et y affirmer l'indépendance de la RDC. Entre temps aussi, utiliser son expertise, ses connaissances, son réseau de communication, son réseau de relations à travers le monde, de l'organisation pour le développement de la République. Motivation qui vous a donné pour venir déposer votre candidature à la présidentielle, sachant que vous n'êtes pas tellement trop connu, qu'est-ce que vous a vraiment motivé pour venir? La motivation étant que les Congolais sont participer à la vie politique de notre pays. Ce n'est ça la motivation. Est-ce que vous pensez comment vous allez gagner? Comment vous allez faire? Moi, je suis avec le projet de société.
Quel est votre projet de société? Merci. Merci. Voilà.